Allez, bonjour à tous et bienvenue sur le serveur HolyCube. Aujourd'hui, nous sommes lundi, et lundi, c'est le début de la Holy Week. Et on va commencer aujourd'hui par essayer de s'occuper de cette espèce de creeper. Bon, j'ai pas encore bien éclairé toute ma maison, ça se voit hein, clairement. Oh bah bravo. Ah, ça y est, tu peux. Tant mieux. Allez, petit cafard. Et il est même pas tombé, hein. Oh, en plein vol. Poule. Excellent. Excellent, excellent. Donc aujourd'hui, on a fait un peu de construction ce vendredi. Donc là, aujourd'hui, on va s'atteler à faire des choses un petit peu plus techniques. On est de nuit là parce que je suis pas tout seul. Allez, Pierre est en train de tourner. Voilà, il est en train de construire sa maison. Alors de notre côté, j'aimerais un portail par ici, peut-être côté ouest parce que bon, c'est un peu magique les portails, donc on va pas le mettre du côté trivial, on va le mettre du côté arrêt. Et puis peut-être au bout de ce chemin-là, parce qu'ici, est-ce que j'ai un peu de dalles? Oh tiens, j'ai piqué des dalles à Pierre. Je vais me faire ban. Hop. Donc quelques dalles. Je vais certainement faire un chemin par ici. Ouais, là avec la torche ça va pas le faire. Ça va venir là. Je fais n'importe quoi. Hop. Et du coup j'en ai plus. Voilà. Donc un chemin qui va partir par là. Et puis, le portail serait à peu près à ces coordonnées-là. Donc, nous sommes en 584-1011. Voilà. Donc, je vais me faire un petit portail. Je vais aussi commencer l'usine à mob. On va commencer par du lourd. Un peu... du lourd. En termes de redstone, ça va être quand même... pas non plus un truc de folie. C'est l'usine que je voulais construire sur l'ancien serveur, le serveur WG, et puis que j'ai jamais vraiment eu le temps de construire. Donc elle va être par ici. Encore une fois, j'ai plus de dalles. Décidément, c'est l'épisode pas de dalles. J'ai vraiment que dalles. Padapampam. Donc voilà, ici ce serait à peu près le salon de thé, pour la cérémonie du thé. Comme je vous l'ai dit, on le met complètement au fond parce que c'est quelque chose d'hyper hyper important, donc au fond de la maison. Et puis on le met complètement à l'ouest parce que c'est un rituel qui est sacré. Voilà. Donc je vais faire au sol les tatamis. Là, cette fois-ci, j'ai des dalles. Hop. Et comme je disais, aujourd'hui, c'est pas un épisode construction, donc je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire, je vais accélérer un petit peu. Je vais... voilà, hop. Je vais par ici, avec un peu de terre, je vais m'éloigner d'une vingtaine de blocs. Parce que, vous le savez sûrement, les mobs spawnent à 24 blocs de nous. Et je voudrais qu'il spawn quand je suis chez moi, donc je vais, même quand je suis ici, je voudrais qu'il spawn. Donc je vais m'éloigner d'une petite vingtaine de blocs, et là-bas je vais faire une petite structure, un petit rond, pour pouvoir construire l'usine dessus. Ensuite, sur l'usine, je ferai une grande tour, japonaise toujours, hein, à 5 niveaux. Et puis, donc du coup, en se mettant en haut de la tour, en AFK, il devrait y avoir un bon gros ratio de spawn. Voilà, allez, j'accélère tout ça.
Donc voilà, ça y est, la petite plateforme est construite. J'ai fait une plateforme de 8x8, centrée ici. 8x8, 8 de rayon. Voilà. Et puis, je m'arrête là parce que je vais avoir besoin, pour continuer, pour construire l'usine en elle-même, d'un peu de redstone et puis aussi d'un peu de blocs de construction. Je vais utiliser des dalles de stone, et pour ça, il faut que je les cuise. Et donc, pour les cuire en masse, je vais utiliser ce que j'utilise très souvent dans mes LP, l'autocuiseur. Je vais le mettre en dessous. Hop, autocuiseur 2000. Voilà, c'est un cuiseur qui est très très lent, mais qui fait énormément. On peut mettre énormément de cobble dedans, et puis en mettant simplement ici sur le côté, dans cet entonnoir, des seaux de lave, qui va cuire en masse, en boucle, tout le temps, qui va cuire énormément. D'ailleurs, je vais mettre un deuxième coffre ici. Énormément de stone, et donc voilà. Moi, j'ai jamais eu besoin de beaucoup plus en termes d'automatisation de cuisson. Et donc il va me falloir pas mal de seaux de lave. Et pour ça, je vais installer mon portail par ici. Voilà, je l'ai éloigné, j'ai fait une espèce de petite plateforme. Toujours avec ce système de tatami, hein, c'est la forme que j'ai choisie parce qu'elle est un peu plus claire, en carré comme ça. Et je vais installer mon portail juste ici. Je l'ai fait vers l'ouest, voilà, mais je l'ai éloigné un petit peu de la maison parce que je ne veux pas avoir le bruit. Ce sera au bout de cette petite allée-là. Ici, je vais remblayer un petit peu pour avoir un beau jardin. Je pense que je vais remblayer au moins à cette longueur-là. Donc ici, je vais monter la terre et puis je vais remplir ça. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc le portail ici, je vais regarder les coordonnées. 581-1013. Voilà, 581-1013. Donc je vais faire ça. 581-1013. On se retrouve. Hop, je vais... J'ai pas du tout, ouais, c'est ça, j'ai rien du tout sur moi, donc je vais récupérer de l'obsidienne et puis je fais mes calculs pour mon portail. À tout de suite. Donc voilà, alors ça a été rapide. Hop, direction le Nether. Une vingtaine de blocs d'obsidienne imbriqués. Donc 581, ça nous fait divisé par 8, parce que dans le Nether tout est divisé par 8, ça nous fait 72. Et puis moins 1013, ça fait 126. Donc F3. Donc ici. X descend, donc ça fait 72, c'est plutôt par ici. Ça va pas être très loin, hein, voilà. 72, et puis moins 126,
72, c'est là. Moins 126. Ça va être par ici. Voilà. J'ai pas une autre pioche, non. Voilà, 72 moins 126. C'est parfait. Hop, on fait la taille minimale, hein. Pour l'instant, c'est vraiment... C'est pas de déco, rien du tout. C'est aujourd'hui que de l'efficace. Que du nécessaire. On va refermer par ici quand même. Voilà. Et puis on va mettre une petite pancarte. Dave. Donc théoriquement, si je fais un portail chez moi, il va se lier directement à celui-ci. Je vais quand même l'allumer, je vais pas passer au travers. Voilà. Et puis, de retour pour faire celui chez moi. Allez, ça y est, on est de retour à la maison. Donc direction la petite salle du portail. Pas enfin, la petite salle, la plateforme pour l'instant. Hein. Et puis donc on va le poser ici. Là par contre on va en faire un 3 sur 3 puisque c'est la taille. C'est la taille de la pièce qu'il le veut. Elle est impaire. Voilà. Voilà. Et donc, attention. Roulement de tambour. Bingo! J'arrive ici. Et maintenant, les voyages jusqu'au nether sont très très rapides. Et quand j'emprunte ce passage-là, il n'est pas cassé et on arrive dans les souterrains. Parfait. Parce que quand on installe des portails à cette distance-là, parfois. C'est un tout petit peu embêtant parce que par exemple ici on est assez bas, on est dans la mine, donc ce portail-là doit être assez bas en termes de hauteur. Dans le nether on est à 36 et donc il y avait un risque que ce portail-là, vu qu'il est très haut, il est sur l'île en hauteur, il se connecte à... Tiens toi, hop, donne-moi de la crème. Non. Ah, c'est gentil. Voilà. Le bon pépère, ça. Hop. Donc voilà. Il y avait un risque à cause de la hauteur, en fait, que ce portail-là, que celui-ci soit plus près dans l'overworld de l'autre portail, quoi. Donc, bon là, ça va. On a une distance raisonnable. Hop, on est à la maison. Voilà. Impeccable. Donc je vais récupérer des seaux de lave, je vais alimenter mon autocuiseur 2000, je vais récupérer suffisamment de matériaux pour pouvoir commencer à construire, et puis je vais vous expliquer, on va terminer l'épisode comme ça, je vais vous expliquer un petit peu le concept de cette mob farm qui est toute simple et qu'on appelle les toilettes à mob, ou les chiottes à mob, comme vous voulez. Tout de suite. Thank you.
Donc voici l'usine à mobs en action. Comme vous le voyez, des mobs ont spawné. Il y a uniquement 3 étages là. Vous voyez, ils spawnent tranquillement. Et puis à un moment, le signal envoie, déclenche les 3 sauts qui vont voilà, évacuer tout le monde sur les côtés. Vous voyez, bon, là, il y a une araignée qui s'est mise sur le côté, mais uniquement parce que le reste n'est pas construit pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Et vous voyez, le ratio est assez intéressant. Voilà. Et ça va recommencer. Ça spawn. Alors de temps en temps, vous voyez, il y a un squelette et un creeper là qui s'amusent, mais bon, ils vont se déplacer. Hein. Ils vont être déplacés par d'autres mobs, ils vont se pousser. Voilà. Après, c'est une question de timing. On peut très bien déclencher l'eau plus souvent, mais il y aura un tout petit peu moins de mobs qui vont spawner. Vous voyez, c'est quand même un ratio assez intéressant. Hein. Malgré le fait qu'il y ait 3 étages. C'est exactement le type d'usine que j'aime. Quasiment aucun coût par étage, ça coûte 2 torches de redstone, un distributeur, un seau d'eau. Et puis, bon, là c'est de la glace compactée, mais ça marche aussi très bien avec des blocs simples. C'est pour accélérer un peu le mouvement. Voilà. Donc je vous retrouve demain, voilà, mardi. J'aurai fini de construire cette petite usine, je vous la montrerai. Je vous fais un petit teasing là. Je vous montrerai ce que ça donne sur le serveur. Et puis on attaquera un petit peu de construction. Continuer la Minka, la maison traditionnelle japonaise. Voilà, je vous dis à demain. Et puis bah, portez-vous bien. Ciao, ciao! Bon, tu as vu le début de ma petite Minka. Tu me demandes à quoi ça va ressembler surtout. Ouais, pour l'instant, j'ai fait un épisode qui est diffusé vendredi. Et puis voilà, je pensais tout faire en un épisode et finalement j'ai fait un tiers. Ça va ressembler vraiment à une maison traditionnelle. Transition. Yes. Une belle maison traditionnelle. C'est pour ça que je pense que mon usine à poulettes à côté, ça va faire bizarre. Ah, Pierre aussi a commencé sa maison. Oui, j'ai vu là-bas. Je spoil. Oui. Non, je spoil pas. Il y a quelques aspects à modifier, mais dans l'idée, c'est pas mal. Moi, je suis le seul à avoir fait japonais, ça va. Ça va. Japonais. Pure bon, moi, il y a des influences, japonaises, mais bon, j'ai fait le style aurénien, fuck you, that's right. Je sais pas si t'as vu l'écurie aussi. C'est du japo belge. Du japo belge. T'as vu l'écurie? Oui, oui, j'ai vu les épisodes. Ouais. Je les ai même pas vus en live. C'est décoré maintenant. C'est décoré maintenant. Ah, qui reste en carnet d'autographe.